pense que l'armée, c'est indispensable. Parce que c'est là où on se rend compte de la beauté d'Israël et de l'amour que les gens portent à ce pays, peu importe d'où ils viennent. J'étais avec des gens qui venaient du nord d'Israël, du sud d'Israël, de tous les milieux sociaux. Et ça a été des expériences incroyables que j'ai vécues avec eux. Et j'avais rien, aucun rapport avec eux au début de mes 3 ans d'armée. Et au bout de 2 ans et 8 mois, c'était mes meilleurs amis. Et forcément, ça a créé des liens indéfectibles entre nous et surtout avec l'amour que j'ai pour Israël et pour la population, entre guillemets, israélienne, quoi. Ruben Becerra, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez chez vous, en plein cœur de Neve Tzedek, un appartement que vous partagez avec des colocataires, comme c'est l'habitude en Israël. C'était au programme pour vous une alia si jeune. Je crois que vous êtes parti à 18 ans. Un petit peu avant, je suis parti à 17 ans. Ça a été au programme, non, pas vraiment. C'est quelque chose qui est arrivé un peu par la force des choses. À mes 16 ans, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire dans ma vie et les études, plus tard, j'ai commencé à réfléchir, à regarder ce qu'il y avait en France. Je n'ai pas trouvé quelque chose qui m'intéressait plus que ça et voilà, j'ai commencé à regarder à l'étranger. Aussi en Israël, je venais beaucoup en vacances avec mes parents en Israël. Et du coup, un jour, je suis allé visiter 2-3 universités, l'université Tel Aviv, l'université de Jérusalem. Pendant les vacances. Pendant les vacances, comme ça. Sans idée reçue. Mon père il m'a dit, allons visiter. Je me suis rendu compte que voilà, les études ici pouvaient être très intéressantes. Alors pourtant, vous avez étudié dans un lycée très prestigieux, Janson de Sailly, plutôt bon élève, donc vous aviez beaucoup de portes qui s'ouvraient à vous en France. Qu'est-ce qui fait que ça ne vous a pas plu, ça ne vous a pas intéressé? Vous ne voyez pas d'avenir ou c'était autre chose? Sur le coup, je pense que c'était surtout l'envie de sortir un peu de ma bulle. Je vivais, comme vous avez dit, dans le 16e arrondissement. J'avais envie de sortir, de voir quelque chose de nouveau à Paris, faire des études de médecine, faire des études dans des facs publiques, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je me voyais pas faire ça. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et je pense que le modèle français m'a un peu pas dégoûté, mais m'a pas donné envie justement d'y aller. Et quand je parlais à des copains qui habitaient ou qui faisaient leurs études à l'étranger, je me suis rendu compte que le modèle français était totalement différent de ce qu'il y avait à l'étranger, notamment en Israël. Il était un peu has-been, c'est ça? Je sais pas si c'est has-been, c'est différent. C'est juste que voilà, c'est les études, il faut faire ses études 3 ans, enfin licence, master directement l'un après l'autre sans vraiment d'expérience de travail. Donc c'est pas quelque chose qui à l'époque me donnait envie. Et je pense que j'étais surtout pas prêt de me lancer, voilà, 18 ans, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'étais pas prêt. Et voilà, je me suis dit, peut-être que le fait de faire l'armée, de changer de pays et de voir des choses différentes pouvait m'aider, justement. Au début, vous partiez dans cette optique-là, rester, faire l'ALIA ou passer un an? À 16 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà, j'étais jeune, j'étais assez naïf, je regardais un peu comme ça, en disant, voilà, peut-être que ça pourrait m'intéresser de changer de pays, de changer de copain, de changer de vie. Et après, avec le temps, je me suis rendu compte en m'intéressant vraiment que c'est quelque chose, que la vie en Israël pouvait être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus... qui me correspondait beaucoup plus que la vie que j'avais en France. L'ambiance que j'avais quand je venais en vacances ou les gens que je connaissais qui vivaient en Israël me donnaient envie justement de venir. Donc c'était pas vraiment pour faire mes études et c'est à partir de mes 17 ans, à la dernière année, 6 mois avant de passer mon bac, je me suis dit voilà, je vais faire l'ALIA, je vais devenir israélien et je vais faire l'armée, et mes études et ma vie ici, quoi. Vous êtes arrivé à la Mechina de Jérusalem, à l'université de Jérusalem, en plein de Souketan, c'était en 2014. Ça s'est passé comment? Ça n'a pas été facile. Pour le coup, déjà, le fait de faire l'ALIA, de quitter ses amis, ma vie que j'avais en France, qui était voilà, dans une bulle un peu du 16e arrondissement, et arriver en plein de Souketan, en pleine guerre, et en plus à Jérusalem, dans un quartier qui est rempli d'Arabes, si on peut dire ça comme ça. À l'université où vous étiez, dans cette, on va dire, Mechina, il y avait quoi en pourcentage? 50% d'étudiants? Pourcentage, il devait y avoir 60% d'Arabes et le reste des internationaux. Le reste, c'est des internationaux. Il y avait de la tension? Ça dépendait des jours. C'est-à-dire, au début, beaucoup de tension parce que c'était vraiment pendant l'opération de Souketan. Il y avait beaucoup d'attentats aussi à l'époque, des voitures béliers, d'attentats au couteau à 5 mètres de l'université. Donc, du coup, c'était assez. On avait assez peur de se balader, d'aller à l'université, même alors que c'était à 5 minutes de marche de où j'habitais. On avait assez peur de se balader dans la rue parce qu'on ne savait pas. Et surtout moi, jeune Français qui ne connais pas du tout la vie justement qu'il y avait en Israël sous les attentats et
sous la guerre, donc ça a été assez difficile. Avec le temps, on s'est habitué, et ça n'a pas été facile pour mes parents aussi, pour ma mère. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est qu'ils avaient ramené vos parents, quoi. C'est vrai, bon, mes parents, ils ont toujours voulu faire leur alia, ils ont toujours été amoureux d'Israël, ils nous ont inculqué justement cet amour d'Israël depuis le plus jeune âge. On venait beaucoup en vacances ici, et à partir du moment où moi, j'ai décidé à 16 ans de partir en Israël, au même moment, ma grande sœur a décidé aussi de faire ses études en Israël. Et le fait que voilà, deux grands-enfants décident de partir et de faire leur vie en Israël, ça a poussé justement mes parents et mes petites sœurs aussi à passer le pas et à venir en Israël et à faire l'Alia aussi. Donc on est venus tous ensemble en 2014 faire l'Alia. C'était pas mal pour vous parce que c'est vrai que c'est plus facile d'être avec ses parents que tout seul, évidemment. Alors, vous finissez la Mechina, vous savez ce que vous en savez un petit peu plus sur l'avenir, sur le futur ? Sur le futur, je savais que j'allais rentrer à l'armée, j'avais 18 ans. Ça, c'était clair pour vous ? Bah, j'ai fait l'Alia. À partir du moment où j'ai fait l'Alia et j'ai décidé de devenir israélien, j'étais obligé de faire l'armée. Vous l'avez fait en conscience ? Ah oui, je l'ai fait en conscience. Quand j'ai décidé de faire l'Alia avec mes parents, j'avais la possibilité de choisir ou de venir en Israël sur un visa étudiant et après faire l'armée en tant que volontaire, ou de faire l'Alia et de devenir israélien et de devoir faire comme chaque israélien à 18 ans, l'armée 2 ans et 8 mois ou 3 ans à l'époque. Et du coup, non, c'était en mon âme et conscience, j'ai décidé de faire l'armée. Du coup, après l'université La Mechina de Jérusalem, je suis rentré à l'armée, sans savoir où, j'étais un petit jeune qui connaissait rien à l'armée, j'étais le premier de ma famille, de mes amis à rentrer à l'armée. Et voilà, ça aussi, c'était une étape importante de ma vie. Vous débarquez, je crois que vous êtes enrôlé dans les parachutistes. Avant de rentrer dans les parachutistes, j'étais dans une base qui s'appelle Mir Ve'alon. Bien sûr. Donc la base pour les Olim Chadashim, qui est là pour d'abord un ulpan, pour apprendre l'hébreu, et aussi pour nous intégrer, pour nous expliquer un peu la vie de l'armée, comment ça se passe, quelle unité, quelles possibilités existent justement à l'armée. Et moi, comme j'ai dit, je ne connaissais rien du tout à l'armée, je ne savais pas ce qui était possible. Et du coup, c'est là où j'ai passé le test, un test physique et aussi psychologique, si on peut dire, pour entrer dans l'unité parachutiste. C'est là où j'étais accepté. Ça a changé votre vie ? Ah, ça a complètement changé ma vie, ouais. Personnellement, je pense, dans mon caractère, je pense que les gens qui me connaissent ont vu un changement important avant et après l'armée. Mais quoi, vous avez pris en maturité ou ça va au-delà de ça ? Forcément, c'est de la maturité, parce qu'un jeune de 18 ans, en France ou dans le monde entier, n'a pas l'habitude de faire les choses qu'on fait ici en Israël, encore plus en tant que combattant. À 15 ans, si on m'avait dit que j'allais être combattant et que j'allais protéger un pays, à mes 18 ans, jamais j'aurais cru. Et encore moins être parachutiste, une unité assez prestigieuse dans l'armée en Israël. Vous avez eu beaucoup de responsabilités pendant votre service. J'ai été mefaked, donc je suis sorti en course mefaked après un an de formation en tant que parachutiste. Et après ce cours, je suis resté justement à former les futurs commandants. Et c'est une immense fierté, j'imagine. Ouais, c'est une immense fierté. Franchement, comme j'ai dit, j'étais le premier de toute ma famille, de tous mes copains déjà à rentrer à l'armée. Donc le fait d'être combattant et encore plus parachutiste, pour moi, c'était déjà une énorme fierté. Le fait d'être commandant, ça a rajouté quelque chose de plus. Et je pense que c'est l'endroit et le moment où j'ai le plus appris sur moi-même et où j'ai le plus atteint de maturité, où j'avais le plus de responsabilités. J'étais responsable au début de la formation de 10 combattants qui allaient être futurs commandants. Et avec le temps, j'étais responsable de la logistique et de la discipline de 30 personnes et après un peu plus. Donc ouais, c'était... Ça vous sert aujourd'hui ? Parce que vous êtes sorti il y a quelques années quand même. Ça. Franchement, je le sens parce que déjà, le fait d'avoir cette responsabilité à un si jeune âge, j'étais responsable, j'avais 20 ans et j'étais responsable de personnes qui étaient plus âgées que moi. Je formais des gens qui étaient nés en Israël alors que moi, j'étais un petit Olé Khadash. 3 ans avant, je ne parlais pas hébreu, pas un mot d'hébreu. Du coup, ça a été une expérience importante. Je me sers tous les jours de ce que j'ai appris à l'armée, dans ma vie au travail comme pendant mes études et dans ma vie tous les jours aussi. Il y a beaucoup de parents qui voient partir leurs enfants pour faire leurs études et puis finalement, en cours de route, ces jeunes décident, comme vous, d'aller à l'armée. Les parents ne comprennent pas très bien. Est-ce que vous conseillez ceux qui vont peut-être venir cet été de suivre ce parcours ? Moi, je pense que le plus important pour quelqu'un qui veut venir en Israël, c'est de vouloir s'intégrer. On peut faire les études avant, les études après, peu importe l'ordre, mais je pense que vraiment faire l'armée pour s'intégrer en Israël et pour faire un alia complet, après c'est mon avis personnel, je pense que l'armée c'est indispensable, parce que c'est là où on se rend compte de la beauté d'Israël et de l'amour que les gens portent à ce pays, peu importe d'où ils viennent. J'étais avec des gens qui venaient du nord d'Israël, du sud d'Israël, de tous les milieux sociaux. Et ça a été des expériences incroyables que j'ai vécues avec eux. Et j'avais rien, aucun rapport avec eux au début de mes 3 ans d'armée. Et au bout de 2 ans et 8 mois, c'était mes meilleurs amis. Et forcément, ça a créé des liens indéfectibles entre nous et surtout avec l'amour que j'ai pour Israël et pour la population, entre guillemets, israélienne. Alors quand vous sortez de l'armée, vous décidez
De faire quoi ? D'étudier, de travailler, de voyager comme font tous les Israéliens ? Ça a été assez difficile aussi à ce moment-là parce que en parallèle de moi à l'armée, j'avais tous mes copains, mes meilleurs amis d'enfance en France qui faisaient leurs études, qui avançaient dans leur vie. Et une fois que j'ai fini l'armée, j'avais 21 ans à peu près. Et donc tous mes copains en France avaient fini leur licence, commençaient leur master et ils commençaient à travailler. Donc je sentais un peu ce décalage que les Israéliens n'ont pas parce qu'au final, en Israël, c'est totalement normal de faire l'armée. C'est dur à vivre, ça ? Ça a été assez difficile. Sur le moment, ça a été assez difficile parce que malgré tout ce que j'ai appris à l'armée et voilà, la maturité, je pense, que j'ai acquise, le fait d'être en retard par rapport aux gens avec qui j'ai grandi, ça a été difficile. Ça ne doit pas être votre genre d'être en retard. C'est ça, peut-être, ouais. Et surtout, voilà, par rapport à mes parents ont toujours été derrière moi et ma mère a toujours voulu que je fasse des études, licence, master, un peu à la française. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé la question, est-ce que je fais comme les Israéliens, comme tous mes copains israéliens, partir 6 mois en voyage découvrir le monde et me découvrir moi-même, où je décide de commencer mes études. Donc ce que j'ai fait un peu entre les deux. Je suis parti un mois au Pérou, j'ai fait un voyage humanitaire avec les scouts français, j'ai été au scout toute ma vie en France. Donc j'ai fait un voyage humanitaire d'un mois au Pérou, et après au retour, j'ai commencé mes études à IDC. Ça aussi, c'était un choix mûrement réfléchi à IDC ? À IDC, pour moi, c'était une évidence, parce que voilà, les universités en Israël, comme j'ai dit auparavant, elles sont publiques et c'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Quand j'ai visité plusieurs fois IDC et je connaissais beaucoup de gens qui étudiaient à IDC, je me suis rendu compte que c'est vraiment quelque chose qui me correspondait. C'était, voilà, les profs étaient assez sérieux. Je vivais à Tel Aviv ou à Herzliya à l'époque et je me rendais compte que Tel Aviv, c'était la ville de la start-up, c'était l'high-tech un peu partout et je me suis rendu compte que IDC, c'était l'endroit parfait pour étudier ça. Qu'est-ce que tu as étudié, justement ? J'ai étudié business entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment un bachelor qui est tourné autour de la high-tech, de la start-up, de comment monter sa start-up, comment marchent les business en Israël. L'hésitation que j'ai eue avant de commencer ce bachelor-là, c'était de le faire en anglais ou en hébreu, parce que IDC propose les deux solutions. Et au final, j'ai décidé de le faire en anglais, parce que l'hébreu, je l'avais de l'armée, et l'anglais, je parlais très bien anglais, mais je n'avais jamais eu la possibilité d'étudier en anglais comme il le fallait. Le monde de la start-up, de la high-tech, c'est 80% en anglais. Et du coup, j'ai décidé de le faire en anglais. C'est peut-être un choix que je regrette aujourd'hui parce que maintenant que je travaille dans la société et que j'ai commencé... C'est intéressant, ça. Ouais, je me suis rendu compte que l'hébreu, c'était... Voilà, si on veut vivre en Israël, il faut mieux parler hébreu et étudier en hébreu. Il y a plein de jeunes qui sont en France, qui hésitent et qui se disent « Mais c'est impossible, c'est trop dur, on ne parle pas l'hébreu, on n'y arrivera pas, et puis en plus, on ne gagnera pas d'argent. » Ils ont raison ou ils ont tort ? Il y a des difficultés. C'est sûr que vivre en Israël, encore plus s'ils font l'alia seul. Moi, j'ai eu la chance de faire l'alia avec mes parents. C'est vrai qu'il y a des difficultés un peu partout. C'est déjà la langue. Moi, je suis arrivé, comme j'ai dit, je parlais pas un mot d'hébreu. J'avais fait ma bar mitzvah à 13 ans. Je savais lire, mais l'hébreu... Rien du tout. Du coup, ça a été très difficile pendant la première année et encore plus à l'armée quand il a fallu justement m'intégrer. J'ai surmonté tout ça. J'ai surmonté tout ça, bien évidemment, mais ça a été difficile. Voilà, faut pas, tout est pas rose, tout est pas truc. Mais c'est vrai que si on veut s'intégrer, je pense que voilà, il faut se donner. Et la vie n'est pas facile. Enfin, c'est difficile partout. En France aussi, il y a des difficultés. Et moi, je considère que c'est des défis que j'ai eus et que tout le monde a. Mais voilà, ça a été surmontable. Je les ai surmontés. Et maintenant, je travaille en hébreu. 100% de mon travail est en hébreu. Voilà, je regrette pas du tout d'être venu. Après, le côté financier, c'est vrai que la vie en Israël n'est pas facile par rapport au côté financier. Encore moins à Tel Aviv, où j'ai décidé de vivre depuis un an et demi en colocation. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Il faut travailler, il faut se donner, on est jeune. Est-ce que la vie est plus intense ici ? Elle est plus intense, je pense, parce que c'est une ville qui bouge, surtout Tel Aviv, c'est une ville qui bouge énormément, qui beaucoup de jeunes, beaucoup de start-up. On peut aller à la plage le soir après le travail, on peut sortir toute la semaine. C'est quelque chose que moi, j'avais pas en tout cas en France, que je vois que mes copains en France n'ont pas forcément. L'état d'esprit, il est différent ? Oui, totalement. Déjà, la mentalité des gens, des Israéliens, est totalement différente, à mon avis, de la mentalité française. Ici, tout le monde est accepté, peu importe d'où ils viennent, de leur milieu. Tout le monde, on a l'habitude de s'appeler Achi entre nous, alors que des gens de 40 ans, ils m'appellent Achi, frère, entre guillemets, mon frère. Moi, je trouve ça magnifique que dans la rue, si jamais... j'ai un problème, je sais que je peux demander à n'importe qui et ils me répondront avec le sourire et ils feront tout pour m'aider. C'est quelque chose que j'ai vu un peu partout dans mon travail ou à l'armée. Au travail, par exemple, ça fait un an que je travaille dans une boîte et voilà, j'ai eu des difficultés comme tout le monde par rapport à l'hébreu, par rapport au truc. Et je sais que les gens m'ont aidé, ont tout fait pour me donner
les clés pour réussir. Et ça, franchement, je pense qu'en France... Ça aurait été le contraire. Ça aurait été le contraire. Je pense que les gens, en France, s'ils voient que je n'arrive pas à faire quelque chose, soit j'aurais été renvoyé de l'entreprise, soit ils m'auraient dit « qu'est-ce que tu fais là ?» Ils m'auraient rabaissé. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Ici, les gens sont là pour t'aider. On donne la chance aux gens et à partir du moment où on montre l'envie justement d'apprendre et de se donner et de donner aux gens, je pense que c'est quelque chose qui qualifie beaucoup la société israélienne, c'est voilà, de vouloir aider les autres et je pense que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu adores ici ? À part la mentalité israélienne, comme je viens de dire, le temps, c'est paradisiaque. Le fait de pouvoir aller à la plage à 18h après avoir travaillé ou le week-end d'aller à la plage, voilà, les sorties, franchement, je suis très content d'être ici. Quoi. Ton plus beau souvenir ? Je pense le plus beau souvenir, et je pense que c'est pareil pour toute ma famille, c'est soit le moment où je suis rentré à l'armée, parce que c'était quelque chose d'assez... c'était une bombe un peu dans toute ma famille autour de moi, c'était voilà, le premier qui rentre à l'armée, ou soit le Tekes Hashba, c'est la cérémonie de serment. Quand on rentre à l'armée, au bout de 3 mois, on a une cérémonie de serment en tant que parachutiste, on l'a fait au Kotel. Et voilà, c'est le moment où on est devant le Kotel et on prête allégeance, entre guillemets, à l'armée. Et bon, franchement, j'ai trouvé ça magnifique, le fait de chanter la tikva devant le Kotel en uniforme, en tant que parachutiste, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a marqué. Et je pense que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai. Tu te sens israélien aujourd'hui ? Je me sens israélien, mais aussi français. C'est un problème ou pas ? Moi, je considère pas que c'est un problème. Il y a des gens qui disent « t'es français, donc... » Ils n'ont pas vraiment envie d'avoir avec toi, mais c'est une minorité des Israéliens, alors que voilà, les Israéliens, justement, le fait d'avoir fait le pas et de venir en Israël et de faire tout ce que j'ai fait justement pour m'intégrer, c'est quelque chose qu'ils remarquent et qu'ils apprécient en général. D'être franco-israélien, moi je trouve que c'est justement une force et une fierté, parce que j'ai ma culture française, que j'ai gardé mon éducation française, mes 18 ans que j'ai passé en France, et maintenant les 8 ans que je passe en Israël, je pense que c'est un mélange qui fait... Voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Avec 8 ans de recul, quand tu penses au sacrifice, en tout cas au changement, à la prise de risque que tes parents ont pris pour vous accompagner, vous les enfants, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire merci. Ils ne connaissaient rien, ils ne connaissaient pas la langue, ils ne connaissaient pas grand monde. Mon père fait encore des allers-retours avec la France. Rien au monde, ils changeraient la décision qu'ils ont prise il y a 8 ans de venir en Israël avec nous. Et je pense qu'ils sont très heureux et ils ne regrettent pas du tout leur décision. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On te souhaite de réussir, de continuer de réussir voilà, dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Peut-être de monter ta start-up ? Si Dieu veut un jour.